Bonjour, je vous l'avais promis, une vidéo sur le langage en période de déconfinement. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que le langage est excessivement important pour moi, non pas par caprice ou par coquetterie, mais simplement parce que le langage est le seul outil dont dispose un manager. C'est son outil principal. C'est vrai également pour des consultants, pour des formateurs, pour des coachs. Notre principal outil, notre quasiment seul outil est le langage. Et à travers ce langage, on doit faire plein de choses. Un manager doit pouvoir donner des instructions grâce au langage, il doit pouvoir motiver, il doit pouvoir résoudre des problèmes, il doit faire énormément de choses. En même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage est porteur d'émotions, nécessairement. En fait, quand nous communiquons toujours à deux niveaux. Nous communiquons déjà au niveau des mots. Mais derrière, nous communiquons aussi les émotions que portent ces mots. Et la façon dont nous allons parler va faire toute la différence entre un déconfinement qui va bien se passer, puisque nous parlons de déconfinement aujourd'hui, ou un déconfinement qui se passera moins bien. La façon dont nous allons dire les choses va être excessivement importante. Ce que nous allons dire est important aussi, mais je pense que nous sommes, enfin que tout le monde dans l'entreprise est probablement aligné, en tout cas dans son management, sur le message à porter. Maintenant, un même message peut être porté de manière très différente. Pour reprendre un exemple que j'utilise en formation, il y a une différence fondamentale entre ne vous inquiétez pas, madame, il n'y a pas de problème, et rassurez-vous, madame, tout est en ordre. Au niveau du conscient, j'ai envie de dire, les deux phrases portent le même message. Mais au niveau inconscient, c'est complètement différent, puisque dans la première phrase, on suggère à la personne à la fois l'inquiétude, ne vous inquiétez pas madame, et également l'idée de problème. Et là, elle pourrait se dire, ah oh, mon Dieu, et en plus de ça, il pourrait y avoir des problèmes, ce qui n'est pas du tout de nature à la rassurer. Donc on génère chez elle, on inspire chez elle des sentiments qui sont des sentiments d'inquiétude et de peur. À l'inverse, quand nous disons rassurez-vous, madame, tout est en ordre, les mots utilisés lui suggèrent le fait de se sentir rassuré, et donc ça, c'est une émotion différente évidemment de l'inquiétude, et en plus de ça, on lui précise que tout est en ordre. Tout est en ordre, ça représente aussi quelque chose, c'est le bien-être, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement, ça renforce le fait d'être rassuré, et donc l'état émotionnel dans lequel sera la personne ne sera pas du tout la même. Donc la façon dont nous allons parler et dont nous allons laisser parler, du déconfinement ou de la situation que nous vivons maintenant au sein de l'entreprise va faire toute la différence. Choisir ces mots ne sera probablement jamais aussi crucial que maintenant. Choisir son vocabulaire, choisir la façon dont on va dire les choses, parce que le message, au-delà des mots, transpire en tout cas et inspire des émotions. Et nous pouvons complètement gérer cela. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre une entreprise qui va s'en sortir et une entreprise qui s'en sortira pas. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais beaucoup plus jeune dans ma carrière, je venais d'avoir coup sur coup deux PME, parce que j'ai aussi une partie de ma carrière en PME. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il m'arrive de travailler en PME. Dans la première, les deux PME en fait étaient dans la même situation. Elles devaient faire face à un état de cessation de paiement et devaient faire aveu de faillite auprès du tribunal. Ils avaient à peu près une semaine devant eux, l'un comme l'autre. Le premier patron est descendu à 5 heures. Alors je ne sais pas pourquoi ça se passe toujours à 5 heures en fin de journée. Donc il est descendu à 5 heures, il a rencontré ses ouvriers, il a dit écoutez, je remercie tout le monde, je sais que tout le monde a fait ce qu'il a pu, a fait l'effort qu'il pouvait. Malheureusement, nous sommes contraints d'aller faire aveu de faillite auprès du tribunal de commerce. Je sais que chacun a fait ce qu'il pouvait, en même temps ça n'a pas suffi, blablabla. Bon, voyez un peu le sens du discours. Le deuxième patron, un peu plus tard, dans l'autre entreprise, qui vivait la même situation, est descendu dans l'atelier. Et a dit, écoutez, nous sommes face au plus grand défi de l'histoire qu'a connu l'entreprise à ce jour. Vendredi, je suis obligé d'aller faire aveu de faillite si les choses n'ont pas changé. D'ici vendredi, il nous reste 5 jours. Voilà ce que nous avons besoin de faire pour tenter de nous en sortir. Toute la production qui est là doit être terminée et être livrée aux clients. Toutes les factures qui sont en suspens, il faut se faire payer, il faut faire rentrer l'argent. Tout ce qu'il y a moyen de pouvoir être sorti et valorisé doit être vendu, etc., etc. Donc il a commencé à donner des pistes et à montrer complètement une direction aux gens et donner des instructions et faire comprendre qu'il y avait un moyen de s'en sortir si on le voulait vraiment et qu'on pouvait même avoir un plan par rapport à cela.
Bon, je ne vous demande pas de me dire laquelle des deux entreprises s'en est sortie, je pense que c'est assez évident, mais on se rend compte déjà qu'au niveau du discours et de la posture du discours, la chose est complètement différente. Le message porté n'est pas le même, les mots choisis ne sont pas les mêmes, et l'imaginaire qui a été construit dans la tête des collaborateurs durant le discours n'est pas le même non plus. Donc, ils n'ont pas vécu la même chose, ils n'ont pas ressenti la même chose. Dans le deuxième, ben, ils se sont dit, waouh, on a un chef, certes, il est autoritaire dans la situation, mais ben, c'est ce que réclame la situation, hein. C'est le management contextualisé, enfin, c'est un management qui est contextualisé. Je veux dire, quand on est dans une situation comme ça, c'est pas le moment de faire du management participatif. Il y a des moments pour ça. Ici, ben, c'est un moment où on doit être nécessairement en management beaucoup plus directif. C'est comme quand il y a le feu. On va pas faire une réunion pour savoir comment on va combattre le feu. Il y a quelqu'un qui prend le lead et puis qui dit, ben voilà, toi tu vas chercher les seaux, toi tu ouvres l'eau, toi tu fais sortir les gens, toi tu appelles les pompiers. Et puis, comme on dit dans le langage moderne, ça dépote, hein, ça bouge immédiatement. C'est pas le moment du débat. Après ça, on pourra toujours en avoir pour savoir comment pourrait-on mieux dorénavant gérer une crise ou un incendie quand il se présente. Mais quand l'incendie est là, c'est pas le moment d'en discuter. C'est la même chose avec les crises d'ailleurs. Les crises, elles se préparent avant. C'est pas au moment où la crise arrive que l'on installe une cellule de crise en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va bien faire maintenant? Bon, les cellules de crise, elles se préparent, elles s'entraînent, elles construisent leur bouc. Et le jour où la crise se présente, mais tout est prêt, il n'y a plus qu'à installer la cellule de crise, ça se fait en quelques minutes. Elles sortent leur bouc, elles sortent leur scénario, et puis chacun connaît son rôle, et elles reprennent le lead sur l'entreprise. Et le temps de la crise, en tout cas, c'est elle qui va gérer tout cela de la façon dont elle s'est préparée. C'est exactement pareil. Donc le langage va être excessivement important. Donc posez-vous la question, qu'allez-vous dire à vos gens? Comment allez-vous dialoguer avec eux? Quels sont les dialogues aussi qu'on a besoin d'installer en cette période de déconfinement? Et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo où nous verrons justement un peu les erreurs que je crois percevoir lorsque je discute avec mes clients quant à la manière de déconfiner et les risques qu'ils sont occupés à prendre par rapport à ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, si vous avez des questions, ben, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous contacter ben, à l'adresse email qui apparaît là sur votre écran ou nous appeler, hein. On se fera toujours un plaisir de vous répondre. On peut même venir vous voir si vous êtes au Maroc pour discuter avec vous de vos problématiques particulières ou répondre à vos questions. Si vous voulez nous appeler également pour de la formation, du conseil ou du coaching en entreprise, ben, soyez les bienvenus. C'est le même numéro de téléphone. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Puis d'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. À très très bientôt. Portez-vous bien.